Ouais poteau, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Je veux que ma mère soit. Ça va Ilan? Alors ça dit quoi? Ça fait 3 jours. Vas-y viens, viens en faire une supérette, viens en faire une supérette là. Allez vas-y viens, viens. Et pas en moto? Bien. Moi je suis chaud patate là, vas-y prends. Qui peut nous prêter une shafter les mecs s'il vous plaît? Je vais faire quoi avec? Il faut que j'aille, je vais juste aller chez moi. Tiens, vous voulez faire super? Vas-y prends 6x6, on va voir si vous êtes chaud. Shafter c'est trop facile. Ah ouais 6x6 c'est plus dur, vas-y. Bah envoie les clés. Il les a déjà, t'inquiète pas, il les a déjà. Ah ok. Ma femme est devinée, j'ai trouvé un labo de cailloux. Et cette fois-ci, les vrais cailloux, pas comme la dernière fois. Un conseil, ne monte pas là. Si, si, attends, attends, je vais descendre. Vas-y, va. Je veux qu'on se fasse arrêter là, j'en ai marre, je suis trop de mauvaise humeur sort aujourd'hui. Aylan. Ça t'arrive pas des moments, Aylan? T'es là, tu te lèves, t'es de mauvaise humeur? Si, ça m'arrive, hein. Je suis remonté, hein. Par contre, c'est normal que je tourne. Bon, il pète sa mère que des freins à main. Appel, contre-appel. Sale. V-Rising, c'est incroyable, tu vas kiffer, c'est une partie PVP qui ressemble beaucoup à Rust, c'est vraiment trop, trop bien, le jeu mais est trop beau. Tu fais juste ça, okay. Les roues partent en couille, pop, pop, pop. Bap. Bap. Bap, bap. Aïe. Alors là, si on va pas faire un constat. Vous savez pas conduire ou quoi, les condés? Il m'a niqué la carrosserie. Il m'a niqué ma carrosserie. Si on va pas faire un constat. Attention, messieurs. Oh. Bonjour, madame. Bonjour, putain, je non, 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 c'est vous des, qui allez faire attention là, monsieur. Mais il est trop stylé, votre look. Il est trop stylé, votre look de flic. Ah, merci, c'est gentil. J'essaye d'avoir du flow. C'est bon délire. Avec les chaussettes hautes et tout comme ça, on dirait une flic japonaise. Oh, mon écran, il s'est éteint. Japonaise. Mais ouais. Quel sacré style, oh, wow. Vous êtes japonaise? Du coup, pourquoi vous tapez des drifts là devant le PDP? Et vous, je vous pose la question de pourquoi vous me foncez dedans? C'est pas moi qui conduisais. Eh ben, c'est pas moi qui conduisais. Bah alors, quoi vous me répondez? Eh ben, pourquoi tu m'as répondu alors? Putain, bien vu. Pourquoi il a un casque, ouais, celui-là là? Parce que juste avant, on a déminé un colis piégé. Bon, regarde, Aylan, moi j'en ai rien à foutre. Viens, on monte dans la voiture. Ils sont pas contents, ils nous courent poursuite parce que ouais, j'ai envie de jouer dans le cul, sinon. Ouais, c'est pareil, mais non, mais c'est nous, on fait les règles. Je crois que c'est nous, on fait les règles. Voilà. Et oubliez pas qu'on vous baisse, les keufs, c'est bon? Voilà, surtout si êtes, ça, hein. Si vous êtes pas contents, c'est, pas, c'est la même. Allez, ciao. Et Thiago Silva Boost, là, calme-toi avec tes grandes chaussettes. Hein. Je continue, y'a quoi? Vas-y, continue. Pine. J'ai soif, il me faut de l'eau. Je crois qu'il se chie dessus, je crois. Bah, va braquer une épicerie, va braquer une épicerie, va braquer une épicerie là. Allez, mets-moi un petit GPS, s'il te plaît, juste. Mets-moi juste un GPS, c'est tout ce que je te demande. Vas-y, va là-bas, va celle là-bas. Voilà. Attends, non, je crois que là-bas voilà. C'est pas une épicerie. Par contre, là-bas, là, juste là. J'espère qu'on se fait arrêter ce soir. Dis-moi pas que t'as pas d'arme sur toi par contre, hein. Non, j'ai un couteau suisse. Ouais, parfait. Descendez pas. Ah, putain, j'ai cru que t'avais dit descendez. Mais Zabi, j'ai pas de masque, je l'ai prêté à ma putain de gonzesse. En plus, arrête, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Personne a un deuxième masque sur lui? Oh, Sentier, ça va? Toi? Vous avez pas un deuxième masque sur vous? Ils ont fait les voyous avec moi, je leur ai sorti le pompe. Qui? Je sais pas, un mec qui s'appelait Guillaume. Et quand je suis arrivé, il y avait les keufs de partout. Putain, vous avez pas un deuxième masque là, sérieux? Mais je croyais que tu voulais te faire attraper dans tous les cas. Mais oui, mais j'ai pas envie qu'ils me poursuivent. Tu me regardes. Vas-y, va braquer, va braquer. Va braquer. Je suis ému, il est Kenan. T'as dit quoi, Santi? Vide la caisse, le chemin! Du coup. Tu es quoi? C'est la première supérette et je l'ai fait avec mon beau-frère. Sérieux? Incroyable! Ouais. Ton beau-frère? Attends, t'as pas des lunettes ou quoi? Et ta soeur, c'est ma pute! Voilà, y'a ton beau-frère! Et y'a le maître de ta soeur! Oh, mais elles sont trop bien rangées, tes poches.
Dites-moi. Merci. Après, quand je charge au dog, c'est compliqué. Putain. Moi, regarde, j'ai trop de clés et tout, moi, ça me casse les couilles. Ferme ta gueule avec tes clés. Vide la caisse. Je les pose, et à chaque fois, tu vas les récupérer. Non, mais les clés sont pas importantes. Tu vois, là, j'ai que 3 clés importantes. Chez moi, le garage et le dock. Santi, vole les paquets de Garou, vole. Vas-y. Kenan. Arrête de dire mon prénom, toi. Il s'appelle Kenan. Donne-moi des centimes. Oh, Kenan. Ouais. Vas-y, prends des posters, comme ça on se branle sur Mylène à la maison. Prends. Elle a fait la une, là. Y'a pas des feuilles. Tu veux des feuilles? Prends, des marrons. Attends, je vois le tout. Sors vite fait, je joue à Free Ninja, sors. Attends, je fais un combo. Hop, x3, x7, x12, x17, j'ai l'ananas. Y'a déjà une banalisée à droite. Stop, bon. Regarde à droite, y'a une banane. Mais non, c'est pas des keufs, ça, ils auraient mis les gyros sinon. Je sais pas, ils viennent d'arriver. Hein. J'ai peur qu'ils me prennent en photo là. Ton ami, il est surexcité alors qu'il est dépressif. Vivi. Oh. Vas-y. Oulala. 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 C'est quoi ça? Un conseil, restez ici. Hein. Oulala. Un conseil, vraiment de ne pas partir. Un camion du SWAT qui va arriver. Quoi? C'est pas bon signe pour vous. Barbare. J'arrive, il y a là-bas. Conseil vraiment de sortir du véhicule. Nique ta mère. Ok. Quoi? Nique ta mère, je t'entends pas, moi! Ah oui, c'est vrai, il y a le code rouge! C'est vrai? Oh putain, le vert. Oh pitié. Pitié, il a un deux balcon. Il est dans la verte. Pas sûr. De toute façon, le soir, on les élimine vite là, avec leur camion. On conseille de pas bouger! Oh là là, tu maîtrises cette voiture là au moins? Non. Je maîtrise tout. Mais putain, mais on aurait dû braquer la banque tant qu'à faire. Eh ouais! T'as gagné. T'as, ça a donné combien de dollars ça? J'ai pas compté, mais à vue d'œil, 100, 200! T'as fait ça pour ça? Santi! On est des voyous! Arrête, je vais créer ton prénom, Santi! Il m'appelle Salazar, moi c'est mon père, il prend. Salut Kenan! Arrête, fils de pute. Vous voulez que je leur balance des cocktails Molotov? Tu m'entends pas? Si c'est bon, je te reçois. Oh, y'a le code rouge! Je peux avoir à boire s'il te plaît? De l'eau fraîche, s'il vous plaît. Un conseil, restez c'est ici. C'est moi. Un conseil, restez ici. Regarde, il est devant ce trou de balle. Ça s'appelle un 6x6 cette voiture? C'est un Dubsta 6x6. Dubsta 6x6. Ça s'appelle 6x6. Bah, parce qu'il y a 6 roues. Bah oui, mais ça fait 6x6, ça fait. Mais c'est comme les 4x4 en fait. 24? Oh non. Il est retombé sur nous. Si non, il y a deux champs, ils sont retombés sur nous, les gars. Vous voulez que je leur mette des cocktails Molotov ou pas? Hein? Je leur balance des cocktails? Attends, non. Ça, c'est quand je vais le bloquer dans une rue, ça. Tu vois, je vais m'arrêter, je vais le bloquer dans une ruelle. Oh, fils de pute. Tu jettes, je m'en bats les couilles. Non, t'inquiète, conduis. Ah oui, Kenan tire des cocktails. Ils vont nous tirer dessus, hein, c'est quadro, je crois. Bah, c'est aussi, tu connais ça, tu travailles si, là, toi, non? Si. À gauche? Là, bref, à gauche. La sortie pour sortir d'ici, c'est où? Ah, là, c'est tout droit, va, tout droit, va.
plein gaz, Sanchi. Fais gaffe, fais gaffe, ça tourne, ça tourne fort là. Oh, 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 petit. On est mort. Pourquoi on est mort? Moi, je t'aime tout le monde. J'ai touché. Tu sais que tu as touché plein pare-brise. Oh, j'ai encore touché encore. On est mort. Enfin, on est mort si on se fait arrêter, si on se fait arrêter, si on se fait arrêter. On est pas mort parce que t'es avec un as du volant. Arrête, tu vas te porter l'œil. Je me porte pas l'œil, je suis le plus fort des plus forts. Ah. Ouais, je l'abuse. Merci. Cochon. Qu'il faut merde. Voilà, je l'ai bloqué avec le poteau, j'ai même pas fait exprès. Bloqué dans l'art. Concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. Tu leur as mis un trou, tu leur as mis un trou là. Accrochez-vous là, on peut. Chance que je connaisse rien ici. On y est presque, on y est presque. On y est presque. Tu veux lui niquer sa mère à lui ou pas? Plus qu'une, plus qu'une, plus qu'une. Oh, j'ai touché. Et bah attends, attends, tire pas, regarde, je vais la ramener dans une petite ruelle. Ouais. Mais on va lui tirer un coup de tête en même temps. Tu sais qu'il va pas cramer à certains éléments, genre. Bah je sais, mais le temps qu'il fasse marche arrière et tout. Là, à gauche. Là, t'es prêt ou pas? Ouais. Attends. On est trop nuls. Nique sa mère, viens, on roule. Ouh. Ah, attention. Nique sa mère, la réinsertion. Il est derrière encore, il lâche rien. Oulala, ouais, c'est dangereux là, c'est dangereux là. Pourquoi c'est dangereux? Parce que là, t'as vu, dis-toi une chaise ou une poubelle, elle peut te stopper net. Et bien lui aussi. Sauf que moi j'ai un 6x6. Et pas lui. Comme là, la manœuvre elle est dure à faire. Regarde, regarde, il a pas de 6x6. Crame, crame la route là, crame par terre. Il doit avoir le seum. La Viper dans la voiture, c'est pas moi. Non, c'est pas Viper, c'est Phoenix. Non. Phoenix, lequel? Ouais. Ta mère. Jure, voilà ta compté, Zipper. Non, on est bloqué là, les refs. Non. On va tu fais droite, tu fais droite, tu vas au fond. Après la voiture noire, là, tu revas à gauche. Là, là, voilà. On va ramener les keufs chez lui, les gars. Tire des cailloux! Il est parti tout droit! J'ai envie de tenter un truc. Ah, t'es bien là. Oh non, il est encore, là! Hein. Oh, dommage, dommage. J'ai capté l'idée. C'était sur le papier, c'est une bonne idée. Passez, 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 passez. Doucement, 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 doux, tout doux. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Tout doux. Tout doux. J'arrive pas. Tout doux, tout doux. Tout doux, voilà. J'aurais une voiture normale, je peux te jurer sur le bon Dieu que ça serait passé. Oh, en plein dedans, Oh non, on l'a pas pris. J'aurais fait la même chose. Il avait mis dans la merde. Ouais, j'ai fait le con. Là, faut que je sois. Il va m'anticiper. Après, je suis à la droite là. Non, c'est bon. Bloc-le. Ah, c'est le soir. On vous baise. Si. Attention. Gauche, en Gilles. Vas-y. GPS. Droite. Droite, et là au fond, là tu vas à droite encore. À gauche? À droite. À droite.
Benda. Si vous pensez que vous allez me dépasser, mettez-vous un doigt dans l'œil. Mais allô, vous êtes dans la merde avec ma voiture. Ouais. Ah, la voiture elle fume. La voiture elle fume, la voiture elle fume, la voiture elle fume. Ah, les petits frères, oh, ça va, hein. Oh la dé. Pourquoi elle fume cette voiture? On fait comment là maintenant? Idiota. Il va où, Joko Khotan? Ouais mais non, faut pas que t'aies dans une... Il n'en reste qu'une. Parce que si jamais la voiture elle s'arrête... Ah là, ils sont là. Non, non, il y en a trois. Si jamais la voiture elle s'arrête, faut mieux qu'on soit dans des petites ruelles où on peut courir. Ouais, non, on va comme ça. Il y en a une, elle s'est retournée, sa grand-mère. Ah oui. Ouais. Ah, sur le pare-brise. Il essaie de faire des sex steps. Trouve une solution. Hein? Trouve une solution. C'est ça la solution. J'arrive à les semer par là, après il y a mon garage. Là vous savez pourquoi j'ai fait ça là? Parce que là je pense vraiment qu'on va se faire arrêter là. Aïe. Trouve une solution bordel. Solution Bertrand, mais faut que je prenne de l'avance pour trouver une solution. Oh là là, continue d'abîmer la voiture, continue. Elle fume pas assez. Oh là là, y'a 6 voitures sur nous. Y'a 6 voitures sur nous. Ah, on a fait le braquage du siècle ou quoi? Ah, on est mort. Là ouais. Nique sa mère la réinsertion. Là on va y aller tout droit. Je sais pas ce qu'il fait lui. Arrêtez-vous! Allez chien! Allez messieurs, on s'arrête, c'est terminé pour vous! Tu veux courir? Double-le! Ouais, alors. Regarde, là. Va dans une petite ruelle. Tu vas dans une petite ruelle, tu cours. Go, courez! Bonsoir, mettez contre le mur s'il vous plaît. Ouais. Procéder à un contrôle. Si vous cherchez les gens qui couraient là, ils étaient dans le 4x4, ils sont partis dans la petite ruelle là-bas. J'ai vu vos collègues. La petite ruelle d'où vous sortez, c'est ça? Bah ouais, vous avez une pièce d'identité à me présenter s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Et vous faisiez quoi dans cette ruelle? J'ai ma carte grise. J'ai la carte grise de ma voiture. Non, j'ai pas ma pièce d'identité. Ça fait 1000 fois que je vous le dis, on me l'a volé. Mais pourquoi vous déposez pas plainte? Bah en gros, je suis venu déposer plainte et on m'a dit oui mais faut aller à la mairie et tout, je sais pas quoi. Mais moi la mairie, ils m'ont dit il fallait une déclaration de perte de papier. Oui, mais pour faire ça, il faut venir au commissariat. Mais je suis venu et eux ils m'ont dit à la mairie. À la mairie on me dit au commissariat on me dit à la mairie. Bah écoutez, vous passez, je vais prendre votre plainte. Je passe quand?
Dès que vous pouvez. Bah je peux passer là dans 10 minutes. Ok, pas de soucis. Bah c'est bon. Bon, du coup, je vais terminer le contrôle. Ouais. Je vais procéder à une palpation, s'il vous plaît. Bien sûr, allez-y, allez-y. Hop, écartez légèrement les bras. Parfait. Vous avoue que j'ai vu la course poursuite, j'étais curieux, je me suis... Vous êtes intéressé, ouais, je comprends. Ok. Très bien, c'est bon pour vous. Bon bah monsieur, passez une bonne journée. Bah bon courage, j'espère que vous attrapez. Merci à vous aussi. Et passez au poste pour votre plainte. Ouais, je passerai, merci. Merci. Suu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 u
Mais vas-y, le chat il est nul, moi je veux jouer au tigre. Et là je t'ai enfermé là non? Oui là tu m'as enfermé. Mais non, mais canard, vas-y viens jouer au tigre. Vas-y. Fais le maître. Vas-y. Mais vas-y, je fais le maître qui se casse et toi t'es enfermé dans ma cage. Vas-y, ciao. Et il faut que tu viennes me nourrir. Vas-y, d'accord, je te ramène un steak, attends. Alors le tigre, tu veux manger un peu de steak? Allez, tiens, attrape. Il est trop marrant le jeu. À ce qu'on peut sortir maintenant? Non. On veut pas. Pourquoi? Parce que je t'ai enfermé. Mais pourquoi tu m'enfermes? Tu l'as acheté à qui ton arme? Je l'ai acheté à l'eau. Qui? À Loki. C'est qui Loki? C'est un ami que je me suis fait qui vend des armes. Et t'as vendu des balles? Oui. Vas-y, tire sur la série. Non mais là j'ai pas de balles de ça. Ça c'est pourquoi? Parce que je suis une merde et j'ai pas de balles de ça. Mais il peut me vendre des autres trucs plus gros. Genre quoi? Moi je voulais te le présenter. Pour le business illégal. Comme ça après on fait un braquage de banque. Il m'a monté une grosse AK-47. Pourquoi y'a plus qu'une porte là maintenant là? Tain, j'ai du mal à comprendre comment ça marche les portes. Bon vas-y viens je te libère. C'est bon sort. D'accord. On pourra rejouer au jeu du tigre? Ouais si tu veux. Je te présente Loki. C'est ma nouvelle maison Lamar ici là. On a fait des travaux. Ah c'est pas Léon du coup? Non, c'est moi j'ai fait des travaux, t'aimes bien? Oui. Il faudra que je la meuble mais je l'ai pas encore meublé là. D'accord. C'est TTC. Hola mi cielo, esta bien. Ah parfait, y'a ma gonzesse. C'est TTC? Ça je comprends. De quoi? Dans l'appart. Comment ça? Bah tu dois payer un loyer en fait. Non je l'ai... là je suis propriétaire là. D'accord. Comme la fouine. T'as la ref? Je suis propriétaire, je suis propriétaire. Voilà! Ah, oh, moi je suis un ancien. C'est comment je suis un ancien de la guerre? Il faut que ma gonzesse réponde. Ouais, Maïline! Là, voilà, tu vas bien? Ça va, mon petit, ma petite poubellard? Non, pas ça, por favor. Oui, tu es où? Je suis au poste de police, ils m'ont appelé. Non, mais là j'en ai marre, là, il faut qu'on se voit là. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, ma voiture elle fume. Lamar, voiture! Il faut que. Bah, j'ai besoin de toi pour monter mon business là. Si, mets-toi le numéro de série ou pas? Bon, écoute, je viens te récupérer au poste de police et on le fait ensemble, ok? Si, on va essayer de faire ça. Vas-y, j'arrive. Ok, bah tu sais quoi, j'allais fermer la porte, mais rien que parce que vous m'avez spam, je la ferme pas. Vas-y, grimpe! Oui. J'espère qu'on me vole mon Uzi et tous mes trucs. Ok, c'est bon, je suis allé regarder sur internet là. Là, je vais avoir mon numéro de sirette. Ok, perfecto. Du coup, là, je vais te faire une commande. Il me faut de la poudre à canon et des bouts de métal, s'il te plaît. Si, combien? Je sais pas, le plus possible. Ça coûte combien ça? Une tonne. Je vais te donner une tonne de chaque. Une tonne de chaque, ça coûte combien une tonne de chaque? Je crois que ça va te coûter environ. 6000, peut-être? Quelque chose comme ça? Pour une tonne? Une tonne, c'est 1000, on est d'accord? C'est 1000 unités. 6000? Pour la totalité, pas. Ouais. Non, mais moins que ça, je pense, hein, je sais plus. Pour les deux? Les deux en même temps? Si. Mais Maïline, on va être riche. Non, tout va être riche. Moi, je suis déjà riche. Je vais te prendre 5 tonnes de chaque. Je peux pas te livrer plus d'une tonne à la fois. Ah ouais? Ok. Oh. Je pensais que ça allait être. Tu veux un mouchoir? Tu as l'air un peu. Mais bordel, c'est incroyable! Dis-moi, Maïline, toi, tu préfères que je te mente ou tu préfères que je te dise la vérité sur certains points? J'aimerais beaucoup que tu me dises la vérité. J'ai l'impression qu'énormément de personnes me mentent déjà. Surtout? Tu veux que je te dise la vérité sur tout? Si. Genre tout? Si. Ok, bah je vais pas du tout faire des pièces automobiles, je vais craft des armes et des munitions. Ah. Voilà. Tu vas craft carrément, tu... Bah ouais. Tu veux que je te montre? Attends, je te montre. Ok. Il faut pas que tu dises à ton père que tu es au courant. Non, il le saura pas.
Non mais ça m'arrange de te le dire parce que franchement j'aime pas trop mentir. Et après ça me fait m'embarquer dans des trucs où je dois mentir tout le temps et tout. Et au moins là, tu vois, j'ai la conscience tranquille et le cœur léger. Si. Et puis moi ça me fait plaisir que tu sois honnête avec moi. Même si c'est quelque chose que je ne cautionne pas forcément, moi tu es honnête. Je sais pas comment je fais. Attends, dis-moi comment je l'appelle l'entreprise. Porsche DP, c'est automobile. J'ai pas d'idée. C'est Gear. Pourquoi Gear, ça veut dire automobile? Dire quoi, Gear. Gear, ça veut dire quoi? RK Auto. Engrenage. Qui? RK Auto. Pourquoi RK? Royal Canin Automobile. RK Auto. C'est bon. Ça pue sa mère. Vas-y, magnifique, viens. Ah, mes yeux. Et puis je sais que tu vas adorer l'idée, si tu le dis très vite, ça fait RKO. Oh! Viens! Mais en fait, ça pue pas sa mère du tout, elle est trop forte. Bah vas-y, rentre! Elle est où celle-là? Je suis là. Ah ouais. Tu m'entends? Et je t'entends. Regarde. Là, ça va être là où je fabrique mes petites munitions. Et regarde les munitions. Il me faut des bouts de métaux, de la poudre et de la poudre à canon. Mais c'est, ça se compte en moins de 50 à chaque fois, tu vois. Tu as les boîtes pour les munitions? Ouais, mais par contre, je dois mettre des dollars là-dedans. Ça, je comprends pas trop. Mais bon, pourquoi pas. Ici, là, plus tard, je vais me craft des AK-47 et des M4. Tu vois, en mode simple. On n'abuse pas. Ici, je vais me craft des pistolets. Là, je vais me craft des grenades. Là, je vais me recraft des AK-47 et des M4. Tu vois, avec des petits fusils à pompe, des trucs comme ça. Là, c'est pour mettre directement les chargeurs, là. Tac, là, je les envoie ici. Boum, 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 boum. Là, tout ce qui est gilet pare-balles, tier 1, tier 2, tier 3, ça dépend, tu vois. Et là, c'est la table, quand on sera marié, tu comprendras à quoi sert cette table. Ok. Oh, mais grosso modo, voilà. Ok, du coup, il y a les tables de montage et une table de démontage, c'est ça? Il y a tout. C'était ça que tu voulais dire, c'est ça? Ouais. T'as vu comment je suis content? Regarde, là, mon business, il va tourner. Je vois, tu as des étoiles dans les yeux. Et là, il faut que tu me livres parce que comme ça, je travaille. Et je me fais des sous. Si, mais dès que tu as le numéro de série... C'est bon, j'ai le numéro de série. Attends, c'est Ola. Oui, vous aviez essayé de me contacter. Du coup, tu peux me donner rapidement la commande exacte? La commande exacte? Si. Ben, une tonne... Poudre et bout de métaux, c'est tout? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Je m'en occupe tout de suite. T'as vu? Parce que j'aime bien le jaune. Si, perfecto. Comme ton haut. Si. Ok, du coup, seulement bout de métaux et poudre, c'est ça? Ouais, mais il faudrait que tu me donnes d'autres trucs qui fassent pas griller si jamais on se prend un contrôle fiscal. Parce que, tu vois, je suis censé faire des pièces automobiles, moi. Si, tu veux que je rajoute, je sais pas, des plaques d'immatriculation? Ouais, des pneus, des trucs comme ça qui coûtent pas trop cher. Ok. Ok. Des trucs pas trop chers, hein. Et comment je pourrais justifier la poudre à canon, Bailey, toi qui as un cerveau exceptionnel? Non, je sais. J'ai déjà des gens qui m'ont dit qu'ils en prenaient pour fabriquer du parfum, alors j'ai pas trop cru, donc... Ok, attends, je vais regarder sur Google à quoi ça sert la poudre à canon. Et vas-y. Est-ce que si je barre sur Google poudre à canon, y'a pas le FBI qui peut me tomber dessus et croire que je faisais des recherches bizarres? Non, je crois pas. T'es sûr? Poudre à canon, utilité.
Peut-être pour la réaction des airbags, non? Les airbags? Si. Oh, ben non, regarde, c'est simple. J'ai besoin d'explosifs pour tester les. Je fais des tests aussi. Je fais des tests de des trucs genre en situation. Ok. Tu vois un truc comme ça. Genre je fais exploser des trucs pour ouais des crash tests des trucs comme ça là. Ok ok. C'est bon. Aussi c'est bon. Vas-y. Toi t'es flic, t'es convaincu là? Personnellement, je suis pas flic, donc... Oui, mais imagine tes flics. Si, je suis un pochetto convaincu, de toute façon, les flics s'en foutent, donc... Ouais. Oui, mais ils s'en foutent maintenant, mais dans deux mois, est-ce qu'ils s'en foutront? Si, si. Ah, non, je sais. Tu vois? On voit son string, hein, il dit non mais bordel, mais vous êtes insupportable. Oh. Ah ouais. Bon, on y va, on va chercher les pièces. Non, j'ai pas fini de faire la facture et il faut encore que le cargo arrive. Ouais. Donc. Tu sais que normalement, tu as au moins 24 heures d'attente. Hein, mais oui, mais moi, je suis privilégié vu que je suis ton mec, non? Non. Comment ça, non? Là, j'essaye de faire aussi vite que je peux, mais en moins de 20 minutes, ça va être trop compliqué. Attends, je t'ouvre la portière! Ok. T'es une princesse. Faut pas que tu te salisses les mains. Je veux bien que tu me ramènes à ma coachée, s'il te plaît. Non, tu montes avec moi. Si, je monte avec toi. Non, là, on va au doc, on va chercher les trucs, là. Non, on va pas les chercher, c'est pas prêt encore. Mais si, c'est prêt! Non, ce n'est pas prêt. Mais tu dois avoir un petit peu de stock, que je commence à travailler un petit peu au moins ce soir. Oh, Dieu. Je sais que t'as un petit peu de stock, donc arrête de mentir. Regarde-moi dans les yeux et dis... Attends. Regarde-moi dans les yeux, Non, je n'ai pas. Regarde-moi dans les yeux, tu me regardes pas dans les yeux, là. Là, je te regarde dans les yeux. Non, là, tu me regardes toujours pas. Là, tu me regardes. Là, je te regarde. Oui, vas-y, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas de stock. Je n'ai pas de stock. Arrête, arrête de mentir. Tu me mens dans les yeux? En plus, il faut que j'appelle des livreurs et tout. Tu crois que c'est si facile? Mais non, mais... En plus, la poudre à canon, je suis censée te faire livrer avec la Securidad. Eh ben, fais-moi livrer avec la Securidad. Ah oui, d'ailleurs, c'est là que je voulais en venir. Est-ce que t'as des employés qui sont de confiance de fou qui pourraient travailler aussi pour moi? Mais genre vraiment des tueurs de confiance de fou, hein. La seule personne en qui j'ai vraiment confiance, c'est Santi, donc... Ouais, mais lui, on va pas l'impliquer dans ça, si? Non, je préfère pas, c'est mon petit frère. Parce que même moi, je veux pas trop t'impliquer, moi. Et tu fais quoi? Tu vas conduire toi-même le camion pour tout amener chez toi? Mais oui. Mais attends, mais on va pas... Moi, je veux... Écoute, Maïline, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer comment je marche. Quoi? Moi, je suis un mec discret. T'as vu, on dirait. Tu l'es pas, hein? Ben oui, voilà, justement, tu penses que je le suis pas. Et c'est parfaitement là où je voulais en venir. Les gens, ils pensent que je suis pas discret. Alors que regarde, là, t'as vu, en ville, personne ne saura jamais que je fais ça. Toi, tu le sais parce que t'es ma gonzesse. Forcément, ma gonzesse, toi, je te dis tout, je te fais confiance. Oui, oui. Mais les autres gens, ils savent pas. Si, bah heureusement. Tu vois ce que je veux dire? Si. Je peux pas te faire sortir ça comme ça et en plus te livrer. Te prêter un camion pour que tu livres toi-même. Tu vas me mettre dans la merde, je serai... Hop, je t'embrasse. Ah. Merci. Allez, ramène... Tu peux pas me convaincre comme ça, avec mon plaisir. Allez, ramène la poudre à canon, là. Je peux te faire livrer plus tard, mais là, non, ça va être compliqué. Quand plus tard? Plus tard dans la soirée, t'en fais pas. Dans une heure, là? Oui, dans une heure. Dans une heure? Vas-y, dans une heure, c'est bon. Ok, perfecto. Ok. C'est bien pour toi? Comment? C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Et tu me ramènes à ma coachée que je puisse terminer les papiers et... Aïe. J'envoie la commande après à Santi et te livre dans la soirée. C'est Santi qui va me livrer? Si. Elle est où ta coachée? Devant le poste de police, hein. Oh. Putain, t'as vu, j'étais de mauvaise humeur et là je suis de bonne humeur. Si. T'as remarqué que j'étais de mauvaise humeur tout à l'heure? Oui, j'ai remarqué que tu étais un peu tendu. Pourquoi tu m'as pas fait un câlin?
Parce qu'il y avait du monde, je suis désolée, je suis quand même un peu timide. Mais oui, t'es timide quand ça t'arrange. Tu veux des bisous partout, c'est ça? Non, pas avant le mariage. Pardon, tu m'as dit quoi, mi autoruta? Dios mio. Tu me ramènes au poste de police, j'ai beaucoup de choses à gérer. Et après, il y a aussi 74 qui veut me voir. Pourquoi il veut te voir celui-là? C'est une femme. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut discuter avec toi concernant... Avec elle moi? Elle a des doutes sur toi, si c'est une policière. Concernant quoi? Concernant Titouan. Bah vas-y là, j'y suis là, parce qu'après j'ai pas que ça à faire. Non, moi j'ai pas le temps là. Mais moi, non mais elle veut me voir à moi? Oui, elle veut nous parler à tous les deux. En même temps? Oui. Putain... Mais elle, à part twerker au tribunal, qu'est-ce qu'elle sait faire? Hein? Non, le sait. Gracias, je suis attendu, je dois me dépêcher. Vas-y, bon courage. Moi, je vais voir 74, moi. Moi, encore plus de bisous. Tiens, tu me manques déjà, Maïline, tu me manques déjà. Oh, c'est toi qui me manque le plus. Non, mais sérieux, j'en ai marre. Non, mais pars pas. Je dois partir, désolé. Tiens, mais je te gnoque trop, Maïline. Oh, tu me gnoques? Oui. Tu me gnoques? Oui, je te gnoque. Oui. Non, pars pas. Oh, non, je dois vraiment y aller. Non. Si. Putain. Oh. Au revoir. Reviens vite. Oh. Oh les Condés. Ouais. Il peut voir 74 s'il vous plaît. Ouais. Attends, j'arrive, bouge pas. Merci. Kenan. Ça va la twerkeuse? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je twerk pas. Tu twerk plus? Non, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai une crampe. Kenan. Tu voulais me voir? Ça va. Il s'appelle Ace. Ça va, ouais, Ace? Il faut qu'on ait une vraie discussion. Bah, allons-y. Il connaît le chemin, je crois. Amène-moi. Vas-y, on va voir s'ils sont. On va faire un contrat du coup. Non parce que là tu me fais la meuf, oui on va avoir une vraie discussion, moi tu me mets la pression, c'est bon. Non je te mets pas la pression, je vais juste Moi je t'ai vu twerker au tribunal, tu me fais plus peur. Alors attends, c'est j'ai où déjà? J'ai pas twerké. On va à salle d'interrogatoire. Ok, on va à salle d'interrogatoire. Ouais. Numéro 1 ou numéro 2? Comme tu veux, c'est toi qui décide. Tu préfères les chiffres impairs ou pairs? J'aime bien les plus proches. Allez. Bah, c'est perdu. Impair. Bon. Allez, je t'écoute. Fais-moi ton petit cinéma. Je vais pas te faire mon petit cinéma et encore moins mon petit speech. Non, je n'ai pas tué Titouan. La ferme. J'ai pas commencé. Oui, mais je sais déjà. J'ai quelque chose pour toi. Arrête. Un cadeau. Arrête. Pour de vrai. C'est pas vraiment un cadeau, mais c'est quelque chose quand même qui t'est destiné et que si je te donne pas, ce serait tombé dans l'oubli et tu l'aurais jamais vu. Vas-y, donne. Ah. C'est un nude de toi? Non, c'est une lettre. Une lettre qu'on a retrouvée. Vous ne pensiez quand même pas que j'allais vous donner notre richesse. Vous êtes des monstres et vous ne méritez ni or, ni amour, ni respect. Titouan était vraiment trop gentil. On va parler de toi. Attends, je suis en train de lire. Ah, vous m'entendiez pas lire le début? Ok, attends, je recommence. Non, vas-y. Vous ne pensiez quand même pas que j'allais vous donner notre richesse? Point d'interrogation. Vous êtes des monstres et vous ne méritez ni or, ni amour, ni respect. Titouan était vraiment trop gentil et trop bon de t'avoir fait confiance. Si tu veux vraiment l'œuf, il va falloir que tu sois bien plus intelligent que ça. Il est dans les mains du commissaire Johnson dans un coffre sécurisé de la police. Attends, stop, c'est pas lui! Et même si tu arrives à le récupérer, il est maudit, il souhaite de brûler en enfer avec. Bon vent, Marguerite! Putain, non, mais 13, il m'a donné le mauvais. Oh mon dieu. Il m'a donné le mauvais. C'est bon, le vrai post-it, en gros, c'était Titouan. T'as une photo? J'ai une photo. Je te le rends, du coup, celui-là? Merci. Tu peux l'écraser, cracher dessus, tiens. On s'en fout. Non, ça reste quand même des bons souvenirs. Bons souvenirs, bon. Putain. Kenan, est-il possible d'avoir ton numéro? Mais non, je l'ai déjà. Lis-lui à voix haute. Non, je veux le voir. Ouais, tu veux le voir? Ouais. C'est mieux. Ok. 89-49. Ouais, j'étais déjà, je crois, Kenan. Ouais, Kenan.
Vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Attends, comment il parlait déjà, si toi? Salut mon pote, tu m'as toujours protégé. Non, non, c'est la marque, ça. Bon, ah, je vais le faire avec une voix aléatoire, ok? Vas-y. Salut, bon, je vais le dire normal. Salut mon pote, tu m'as toujours protégé, je te fais confiance pour protéger les biens de ma famille, de la famille Zoulé. Papy avait une pièce dans la maison où il rangeait tous les biens précieux de la famille, récupère ses biens et met en sécurité. Carré, carré, titan Zoulay. D'accord. Tu te doutes bien que quand Titouan m'a parlé de toi et m'a surtout évoqué le fait que tu voulais récupérer l'œuvre parce que apparemment tu as besoin d'argent. Non, c'est faux. C'est les paroles de Titouan, je ne dis pas que c'est vrai ni que c'est faux. C'est juste, c'est les mots qui sortent de sa bouche. Tu te doutes bien que forcément j'ai penché mon œil sur toi et je l'ai penché très fort. Ah ouais? Oui. C'est pour ça que je faisais des accidents de voiture tout le temps. Ouais, il y a moyen que je t'ai porté l'œil entre temps, désolé. Hein. Bref, tu te doutes bien aussi que vu que tu es la une des dernières personnes à avoir vu Titouan... Je suis la une? Non, que tu es une des dernières personnes à l'avoir vu vivant. Ouais. Je suis aussi en droit de me poser des questions. Logique. Où étais-tu au moment où il m'a appelé et qu'il m'a dit qu'il allait se diriger vers l'aéroport, qu'il était avec toi et qu'il m'a dit, je cite, « Kenan m'a sauvé, c'est bon Tati, je vais bien !» J'ai déjà répondu. Re-réponds-moi. Bon. Je suppose que c'est le soir où il a disparu. Oui, exactement. D'accord. En gros, on était Titouan et moi. Désolé mais ça m'émeut un peu de nous raconter cette histoire. Je sais qu'on dirait pas que je suis ému, mais parce que je mange. Mais ouais, vraiment, je suis ému. Merci. En gros, on était ensemble. Au Burger Shot à côté de la plage, là, tu sais, vers l'encre. Oui. Ok. On était ensemble et tout. Il m'a dit, ouais, Kenan, faut que je te parle, blablabla. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Après, il vient, il me dit, ouais, je vais quitter la ville, je m'en vais. Bref, moi, j'essaie de le convaincre que non. On discute, on s'entreprend une discussion, voilà, pénible, parce que moi, c'est mon meilleur pote. C'était mon meilleur pote. Et je voulais pas qu'il parte. Il était venu dans une shafter blindée avec deux mecs calibrés G36 qui étaient censés être ses gardes du corps. Ok? Tu me suis jusqu'à là? Oui. T'étais au courant de ça ou pas? Non. Tu vois, t'étais même pas au courant. Bref, je continue. Deux mecs, ils arrivent, pétardés, ils nous braquent. Ouais, monte dans la voiture et tout, je sais pas quoi. Et là, on te croise, tu te rappelles? Même c'est toi qui nous a vus? Oui. Ok, on monte dans les voitures. Bam, course poursuite. Tu t'en es très bien sorti. Franchement, t'as failli nous sauver. On était très contents de te voir. Au bout d'un moment, il s'arrête sur l'île du milieu là. Tu t'en rappelles ou pas de ça aussi? Changelon, ouais. Il s'arrête là-bas. Si toi et moi, on se regarde. On savait qu'ils étaient en galère. Paf, on saute dans l'eau. On saute dans l'eau. On nage. Au bout d'un moment, un petit temps, il se noie. Je le porte sur mon dos. Je le ramène sur la rive. Massage cardiaque, bouche à bouche. Bref, la totale, c'est mon meilleur pote. On s'en sort. Là, il t'appelle. C'est bon, on s'en est sorti, on est content, blablabla. Oui. Moi, il me dit, vas-y, dépose-moi quelque part et c'est bon, je me pète, là, c'est trop dangereux. Je le dépose quelque part et depuis, Depuis, plus de nouvelles. Depuis, plus de nouvelles. Ok. Ça se tient, tu comprends? Tu captes? Oui, ça se tient, oui. Bah oui, encore heureux que ça se tient. Écoute, c'est émotionnellement aussi dur pour toi que pour moi. C'était quand même mon neveu et c'est la seule chose qui me reste de... Bah oui, mais je comprends, mais... écoute, j'ai plus de frère, plus de neveu. Moi, je vais te dire. L'argent, je m'en tape. Enfin, en fait, l'argent, moi, je suis pas un mec avide d'argent de multimillions, tu vois. Check oui, mais tu peux pas dire que tu t'en tapes. C'est une partie de nous. Mais moi, oui, mais pas au point de tuer mon meilleur pote. Tu sais, il y en a qui sont capables du pire comme du meilleur. Hein. Oui, certes, mais je te donne juste une description de ma personne, là, moi, là, en l'occurrence. Oui, oui. Je vois. Et depuis, tu n'as pas cherché à savoir où était passé ton meilleur ami? Bah, on m'a dit qu'il était mort. Non. Et tu n'as pas cherché à savoir de qui il s'agissait? Je suis flic. Non, mais tu sais, il y en a qui opèrent par la vengeance privée et même pour ta propre curiosité. Et après, je me fais arrêter parce que je veux faire justice moi-même. Non. Pas dans ce sens-là. Ouais, ouais. Tu peux... Deux secondes, on m'appelle. Moi, je respecte la loi, moi. Nous, on respecte la loi. Attends, je suis en salle d'interrogatoire. T'inquiète. Le papillomavirus, c'est pour les femmes, c'est pas pour les garçons. Bonjour, Abed. Passez le bonjour. Il y a... Kenan, il te passe le bonjour. Tu me l'as donné? Oh, fais chier. T'as la chlamydia!
Oh merde. Oh, rip. Faut que j'aille à l'hôpital me faire dépister. Mais tu m'as tout donné. Putain. Là, le sida. T'aurais dû te protéger. Oh, à tout à l'heure. Putain, bon, je savais que c'était un sac à merde. Bref. Putain, le sida. Papillomavirus. C'est quoi ça? Papillomavirus, c'est un truc qui attaque le col de l'utérus. Une MST? Ouais, exactement. T'as qu'un avec Bud? Oui, bah écoute. Tous les jours. Je crois que dans une des salles d'interrogatoire, il doit y avoir une de mes culottes, mais je suis plus trop sûr. Je crois que c'est celle-ci. Ah ouais. Si tu regardes bien derrière le chauffage. Oui, bref, du coup. Bref, ça c'est ma vie privée, reprenons. Ouais. Du coup, je te disais, ouais. Oui, mais vu que c'est ton meilleur ami, quand même, ta curiosité fait, et c'est quelque chose... Regarde, je vais même aller plus loin. Au bout d'un... À chaque fois que toi, il me parlait de l'œuf, je lui disais, moi, je veux pas savoir. Parce que je savais que c'était des histoires de famille trop chiantes, trop reloues, je voyais les problèmes que ça lui disait, moi, je lui disais, je veux pas savoir. Ok. Et... Entre nous. Quoi ? Entre nous. Mm-hmm. Pour ton propre intérêt personnel, tu sais très bien combien il vaut cet œuf. Ouais, 75 millions. Tu voudrais pas, par hasard... Voilà, tu sais que c'est lui qui l'avait, t'as pas essayé de... Eh, 75 millions contre une amitié, tu sais, hein, la question est vite répondue parfois. Hein. Mais t'es sérieuse toi ou quoi, sale pute, toi? Et c'est la vérité. Mais t'es sérieuse toi? Mais moi, tu je... Mais vas-y, dégage... Eh, nous on est loyal, je suis loyal, moi. Toi, tu sais pas c'est quoi la loyauté, moi. T'as mis, t'en as plein. Des frères, non. Des amis, j'en ai plein. Des frères, ça se compte sur la doigt d'une main, la famille. Je doute pas de ta loyauté, mais je dis juste qu'il y en a. Non. Qui. La réponse est non. La réponse est non. Ok. Bah, c'est très honorable de ta part d'avoir cette mentalité-là, parce que c'est pas la mentalité des gens en ville. Je peux te dire la vérité. Entre la thune et leurs amis, ils donnent des go pour de l'argent. D'accord. On fait le procès des gens en ville là ou on m'interroge à moi? Non. On revient sur le problème principal. Ouais. Tiens. Oh putain. Bref. Putain, j'ai complètement perdu le fil de la conversation. Bon. Quoi qu'il en soit, ça commence à... En fait, moi, ce qui m'agace, c'est que là, à l'heure à laquelle je te parle, j'ai aucune piste. J'avais la piste de... Je vais te dire la vérité, je transpare avec toi, j'avais la piste de Mylène. Parce qu'on a quand même retrouvé du sang dans sa voiture, mais après, il y a eu toute cette histoire où, je pense qu'elle a dû te dire, elle a été droguée par un docteur, et ce qui fait que maintenant, j'ai plus de la peine pour elle que... Et le sang, il est à qui, de la voiture de Mylène? Zinedine Zoulay. Ok. C'est pas titan, ça, du coup? Non, mais c'est sa famille. Mais Mylène, elle te l'a expliqué, l'histoire de sa voiture? En fait, t'es au courant. Il te manque trop d'éléments, j'ai l'impression. Hein. Non, ou alors, en fait, quand on te donne des trucs, tu prends pas, tu t'oublies. Non, en fait, j'ai énormément d'éléments. Ok, écoute, pour la voiture, le sang dans la voiture de Mylène. Oui. Mylène à l'église avec Zinedine, d'accord? Zinedine homosexuel. Écoute, laisse-moi aller au bout. Je sais. Zinedine homosexuel, Mylène qui et lui qui vient se confier par rapport à ça. Zinedine, il sort, un mec armé, sans voiture. Braque Zinedine, vole la voiture de Mylène, fait monter Zinedine dans la voiture de Mylène, et ils s'en vont. Pourquoi Mylène dans cette histoire là, sachant qu'elle se fait voler sa voiture et que le mec, c'est évident, c'est lui qui l'a tué. Oui. Ouais. Non mais ça. Non. Si. Mais ça c'était pas. En fait, moi c'est l'enchaînement de Zinedine et ensuite Titouan. Et moi, ce qui m'a le plus intrigué, c'est qu'il y a un putain de trafic d'organes dans ça. Reins ont été retirés de façon très précise, qui me laisse croire que c'est forcément un docteur qui a fait ça, parce que c'est pas le con du coin du quartier qui va le faire. Ouais. Et les putains de reins de Titouan ont été enlevés. Mais tu m'as pas dit que vous avez pas trouvé le corps? Bien sûr que si, on a trouvé le corps. Mais il faut on l'a retrouvé jeté derrière une... Si. Ah ouais, jeté derrière une station d'essence, rapport d'autopsie, balle dans la tête, et les reins retirés. C'était quoi comme arme? On pense que c'est un Beretta. Ok. Putain, au moins il a pas souffert. Ouais, mort rapide, mais...
À moins qu'il l'ait ouvert Boucher avant. Qui est passé sur lui. Hein. Moi, j'espère que c'était pas plutôt l'inverse. Oh putain, je veux pas imaginer ça. Mais bon. Il va être horrible. C'est horrible quoi qu'il en soit. Bref. Ouais. Écoute, je vais pas t'en tenir plus longtemps, d'accord ? Si t'as des choses à me dire, t'as mon numéro de téléphone ? Non. Si, tu l'as. Non, mais j'ai supprimé. Pourquoi t'as supprimé ? Parce que ça y est, moi, je suis marié, là. Enfin, je vais me marier. Oh, t'es marié ? Ouais, je vais me marier. Bientôt ? Ouais. Oh, trop bien. Avec Maïline. C'est vrai ? Ouais. Ah, bravo pour vous deux, alors, je suis contente. Espèce de mytho, t'es trop deg. Ah ! Non, j'en ai rien à foutre, j'ai dit... Tu goûteras pas à ma tub, tu pourras pas goûter ma tub. Ah, tu pourras pas. C'était full hypocrite quand j'ai dit que je suis contente pour vous, j'avoue tout. Non, en vrai, j'en ai rien à foutre, mais tant mieux pour vous, hein. C'est ta vie, hein, parce que tu... Mais ouais. Maintenant, ces tasses, elles veulent ma bite comme si elle avait changé de goût. Attends, mais à aucun moment du discours, j'ai dit que je voulais ta bite, hein. Ouais. S'il te plaît, Kenan, s'il te plaît. Bref, c'est bon. C'est bon. Ah, vous avez déjà fini? Eh ouais, il se fait, ouais, mon grand. Je vous avais dit, Raïs, ou non? Bah, ta culotte. Non, laisse-la, elle est bien, c'est un trophée, hein, tout à l'heure. Mais ils vont voir tes culottes, les autres. Bon, on va à l'hôpital maintenant. Est-ce que là, je vais encore me faire interroger une fois par non. jour, là, par rapport à ça, non, ou non, on reste tranquille? Non, c'est bon, tu peux vivre ta vie. C'est bon? Parce que là, oui. Moi, maintenant, je vis de mon mariage, parce que elle me rapporte assez d'oseille. Ah, tu veux te marier? Ouais, je vais me marier avec Maïline, en plus, ta vie, elle est blindée, elle. Ah ouais? C'est-à-dire, maintenant, avant, je vendais du shit et tout, là, j'ai même plus besoin. Bébé. Genre, si j'ai besoin de thunes, je lui dis, oh, Maïline, donne-moi des thunes, et elle me les donne. Et toi, en fait, t'as trouvé une sugar mommy, c'est tout. Je viens de capter, tu viens de faire des avis, ouais. Tu viens de dire que tu vendais du shit. Ah oui, je vendais avant, ouais. Ah ouais. Après, ben. Qu'est-ce que tu veux y faire? Donné à 41. Ouais, allez, Condé. Qu'est-ce que tu veux y faire? J'ai donné à 41. On vendait, on vend plus, hein. Fallait m'attraper avant. Ah, tant mieux que tu vends plus. Puis tu te mets du bon côté, c'est mieux. Maintenant, je pense que je vais m'acheter un ordi, oui. Et je vais devenir streamer. T'en penses quoi? C'est une bonne vocation, ça. Tu vas à l'hôpital là? Ouais, bud, ouais! D'accord! Bonsoir. 74, il y a un décès à l'hôpital. Ouais, ça va, ouais. Oui, ça va. C'est le décès de ma chatte. D'accord. Quoi? Il est où mon 6x6? Ouais. Ouais, la voiture elle est où? Attends, aujourd'hui, on est le 26-05 et c'est le début. De Kenan Seguin. Eh ouais, les mecs. On est mort, les gars. Ma voiture, elle est où? On peut lui demander à Kenan. T'as vu, la dernière fois, il nous a donné un go. Je sais pas s'il va vouloir me donner le go pour ça. Mais non, il a pas de couilles. Ah, Kenan. Mais putain, pourquoi? Ouais. Est-ce que t'as un homme, t'as des grosses couilles? Tu veux un go pour qui? Pour David, fils de pute. Ouais, je peux. Tu peux m'avoir David tout seul? Attends, je l'appelle. Ça serait vraiment le début de Kenan truc. Parce que là, ça y est, là, j'ai commandé mon matos, ça veut dire à partir de ce soir, je commence à fabriquer. Ça allait grave vite. Ouais, l'île des villes, on a les contacts de fou, hein. Ouais, l'île des villes. Jure. T'as dit quoi? Ouais, pour... justement, il faut que je te parle. Mais y'a quoi? Ben justement, là, il faut que je te parle. Là, je suis occupé de fils de pute, je finis 2-3 trucs. Vas-y, mais juste que, moi, t'as vu, vers 4h du matin, je suis plus là, moi. Non mais là dans une heure t'es là, comment... Oui, dans une heure je suis là. Vas-y dans une heure, Vas-y mais une heure moins, pas une heure plus. Allô? Vas-y, imagine dans moins d'une heure. Quoi, vous allez le tuer? Ouais, je vais le caler. C'est la fin d'une heure, hein. Ah là, ça y est là. Il vient de tuer Termité, d'enfance au gym, il dit fièrement qu'il a attrapé Melo pour qu'il se fasse gagner. T'as vu? Les gens ils se prennent pour des intouchables, je vais vite leur remettre les pieds. Tu me régales, calme-le celui-là s'il te plaît, calme-le. Mais ça y est, t'as vu, là ça y est. Logique. Puis, je m'en bats les couilles. Attends, il a tué Termité? Il a tué Termité. On vient de poser à l'hôpital. T'as vu, c'est lui qui lui a mis la balle, t'as vu ce soir il va mourir. Mais il lui a pas mis qu'une balle. Ce fils de pute, il l'a rafalé, il a vidé un chargeur. Oh. Et il l'a fait tomber. Ok. T'as vu? Ouais. C'est un homme mort. Désolé, j'ai pas fait exprès, désolé. Je te jure, j'ai pas fait exprès. Est-ce que t'es en panique? Je panique, on sait jamais, c'est Kenan, les gars, wesh. Les gars, wesh, arrêtez. Non, là, je suis encore au début, t'inquiète, bébé. Mais tu viens de dire que c'est le début, là. Ouais, là, ça y est, là. Si c'est le début, alors. Une semaine, tu lui mets une droite, t'es mort. Dans une semaine, vas-y.
Là, je commence. Là, je fabrique des munitions, moi, en gros. C'est-à-dire munitions, là. Putain, qu'est-ce qu'on est en manque des munitions. T'as vu, je te parle sérieux. Ah ouais, là, vous en avez pas, là, ce soir? Non. Enfin, si, ce soir-ci, mais. Attends, je regarde où c'en est dans ma commande. Je te commande. Leon, si tu savais à quel point tout est bien ficelé. Ah ouais. Oh là, les contacts de pour moi, en ce moment, il se ramollit, les gars. Je vous mais ouais, tu vois pas, tout le monde meurt, il fait rien. Moi, je pense qu'il aura pas les couilles de le tuer. Non, il a, je te dis, et là vraiment, je parle pas pour vu, le chauffer. En fait, le problème, c'est que. T'as vu, faut pas me dire ça parce qu'après. Non, laissez-moi parler. En fait, si vous dites ça, ils vont. Tu sais, ça va dire, ouais, vous êtes rentré dans ma tête. Me dites rien. Non, vraiment, et regarde. Voilà. Mais, et ben, n'en parlez pas. Attends, juste, Leon, la vie de ma mère, je dis pas ça pour le chauffer. Je te parle sérieux. Moi, je pense juste vraiment de moi-même. Et c'est encore une fois, je maintiens. C'est pas pour te chauffer. Je pense que t'auras pas les couilles. Eh ben, tu verras. Mais c'est Kenan là. T'as vu, tout le monde meurt. Ouais. T'as vu, tout le monde meurt. Là, je crois qu'on va faire. Putain. Attends, je commence par toi. Ok. T'as vu. Ils veulent jouer avec mes couilles là. Ouais. T'as vu, y'en a, ils se prennent pour des intouchables. Ils veulent canner des gens. Pourquoi ils l'ont canné, Rasement? Pour rien. Attends, donne-moi la raison. Regarde, on était sur l'autoroute, on partait à l'hôpital. Et Craré, on a tourné en contresens. Craco. Vas-y, parle. On a tourné en contresens et on les a coupés. Du coup, ils sont venus pour nous reparler. Ils nous ont dit, ouais, mettez-vous sur le bas-côté. On commence à aller vers eux, ils commencent à vouloir nous braquer et tout. Du coup, on taille. On commence à faire un plan avec Zola. Et ils nous ont quand même pété parce qu'on avait plus d'essence. Ouais, et après il s'est passé quoi? Ils sur leur toit. Ouais. Et ils nous ont dit, ouais, vous parlez grave mal dans la voiture et tout. Et bah voilà, ça vous apprendra. Nous, on voulait juste parler avec vous pour vous dire, ouais, faites pas ça, vous êtes bourré ou quoi, comme vous conduisez. Et voilà, c'est parti de là. Hein. C'est parti. Putain, de... il est mort pour sa termité. Repose en paix, mon frère. Ouais. T'as vu ce que t'as fait, Nara? Ouais. Et j'en ai rien à foutre, moi ça me fait grave rire. Mais écoute, y'a ses petits frères, ils sont venus grave plein d'ego, on veut se venger, je leur ai dit attrapez-le. Je sais pas, deux trous de balle, je leur ai dit au lieu de parler, attrapez-le, faites ce que ça va faire. Ils m'ont dit ouais, vas-y, on va le faire. Ok, mais tu la trouves fraîche comme ça la chauve? Tu m'as ramené Zizou au quartier. Putain, mais je fais que la plan FaceTime, elle veut jamais répondre. Là, elle m'a envoyé un message grave énervé, elle m'a dit buenas. Là, elle est partie dormir là? Je sais pas, je crois qu'elle entre. Attends, j'essaie de la plan FaceTime. Putain, non, elle raccroche. Elle a grave l'air contre toi, je crois. Mais frérot, j'ai planté ma soeur à cause d'elle. T'imagines, tu plantes ta soeur? Mais ils veulent te canner pour des cheveux. Ils vont rien canner. Mais je le sais, mais ils étaient grave pleins d'entrain. J'ai dit, ouais, on a des autos, on va l'attraper. J'ai dit, bah les gars, faites, hein, mais force à vous. Du coup, vas-y, ça va t'attraper dans pas longtemps, je crois. Parfait. Oh, les 18! Y'en a qui veulent charbonner un peu pour fabriquer des munitions ou pas? Y'en a qui cherchent du travail? C'est pas service que je vous demande, c'est si jamais vous ça vous arrange. Ah bah oui. En fait, moi je serais chaud, mais t'as vu, dès que moi je bosse et je me fais de l'argent, ça disparaît du jour au lendemain au quartier, du coup, vas-y, bref, c'est bizarre. Bah écoute, tu vas y aller, Rasmo, tu vas travailler, ok? Tu vas bosser, tu vas faire des munitions. Ok. Bah, je sais pas ce qu'il a besoin. Et un autre. Comme ça, moi. Ah, c'est un zeb ou un trou du cul, Kenan? Non, là, ça va être la transition. Il y a un peu d'argent qui rentre, t'as vu? Et cette fois-ci, ne le vous faites pas voler. Après, attention, être un sub, ça veut pas dire RP dark, brosson, musique, musique triste, larmes aux yeux. Dans mon appart, t'as vu, ça a pas fait une descente dans mon appart. On reste en mode bonne ambiance, mais. On s'en bat les couilles. Oh, on a plus important. Non, on essaie de grandir, quoi. Je sais pas, il y a le délire des Wou. Et il y a l'île des villes. L'île des villes, Arve. Ou le frère de Arve. Bon, mais faites vos bails et vous me tenez au courant. Le 4-4, c'est comment? Le 4-4, c'est comment? T'as vu ce soir, celui que j'attrape, un des trois. Au bout d'un moment, il s'arrêtait et il fumait. Si ouais. Et ils l'ont récupéré ou il est non, quelque part? Non, ils l'ont pas récupéré, il est... genre il est en 250 un petit peu, tu vois. Vas-y, genre, en 250, t'as vu t'inquiète, là, dans une rue... L'attraper, t'inquiète, non. Il est pas dans une grande avenue, juste, tu vas rendre les 50. Attends, justement... Si, il est aligné à Times Square. Pourquoi? Dans une rue sur... sur la gauche par rapport à la map. Donc une des trois rues, quoi. Ouais. Qui sont alignées. Ok, vas-y, clair. Ouais, une des... vers là-bas, tu vas trouver. Vas-y, bien vu, bien vu. Ok, perfecto. Oh, Johnny, mec. Ça va? Si, ça va très bien, toi. C'est bon, du coup, on y va? Si, il y a Santi qui arrive pour aider à mettre dans les camions et il prend un autre livreur. Il va... Mais non, mais moi, je veux pas qu'il y ait des livreurs.
Tu comprends, tu veux pas comprendre, je ne veux pas qu'il y ait des livreurs qui me livrent là où je vais travailler. Ces livreurs, c'est des gens normaux qui après ils vont savoir là où je travaille et c'est potentiellement ce qu'il y a dedans et tout. Non, je veux pas. Non, mais ils vont pas livrer là où tu m'as montré, ils vont livrer chez toi, à l'endroit où il y a ton entreprise. Non, on va non, on livre tout seul, vraiment. Ok, Dios mio, on s'il te plaît, Santi il peut, on prend Santi à Ilan et on livre, voilà. J'appelle Ilan. Je pense qu'ils sont ensemble. Ouais, ils sont ensemble. Ok. Non. Moi, c'est un autre livreur. Prends pas d'autres livreurs, Santi. On reste que nous, on reste en famille. Attends, je vais lui. Moi, j'aime bien quand on reste en famille. Ah oui, mais Ariane, toi, t'es pas prêt, toi. Hein. Pourquoi? Ah oui, t'es pas au courant de ce qu'on va faire là. Bah non, on va livrer à toi ta nouvelle entreprise. Ouais. Mais pourquoi t'as la gueule en sang, tu as bouffé la chatte à Mylène et la vaisselle ah, et là j'ai la gueule en sang là. Bah oui. Encore ouais. Si. Les vêtements c'est propre mais... Mais ma gueule elle est en sang. Ouais. Ok. Ouais. Allez bah moi aussi. Y'a tout qui rentre dans un camion. 5 camions. 5 camions ouais. Ok. Très drôle en tout cas, hein. Tu crois que tout va rentrer dans un seul camion? T'es trop belle. C'est qui ça? On peut mettre que 500 kilos dans un camion. Salut. Salut mon gars, ça va? Ouais, ça va, tu fais quoi? Je vais parler à mon patron. Ouais. Dis-moi. T'es qui toi? Je suis le mari de ton patron. Mais non. Enfin, ta patronne plutôt. Bah mon patron c'est un mec. C'est Santi bizarre, ah bah je suis le bof, je suis le bof de Santi. Ok. Non c'est pas Santi, c'est Walter. Je devais livrer un truc. Tu veux livrer un truc, t'as dit quoi? Non tu devais livrer un truc, t'es un livreur? Ouais je suis un livreur moi. Ouais mais non, en final ça s'est annulé. Ok. Désolé beau gosse. Pas de soucis, parce que j'ai besoin d'argent du coup. Tu devais toucher combien pour ça là? Je sais pas, 3000 balles, je sais pas, ça dépend des trucs. Eh bah tiens je te passe 1000. Ouais, ça c'est cool. Désolé. Bah, aucun souci. Vas-y, beau gosse. Mais Mylène. Quoi? Tu penses que l'amour que j'ai pour toi, il rentre dans combien de camions? Moi, je dirais au moins 12. Hein? T'as pas compris? Si, j'ai compris, mais... Okay. J'ai l'impression que ça rentre dans le coffre d'une blista, apparemment. Non. Mais je pense que des camions, c'est peut-être un peu petit, non? 12 camions, quand même. C'est plutôt au cargo, elle mais... est dans celui-là. Ah ouais. Ah ouais, moi, je pensais plutôt à un gros bateau. Oui, un cargo, c'est bien ce que je dis. Ah ouais? Mm-hmm. Mais moi, je pensais plutôt à un gros bateau. Mais tu crois que le cargo, c'est quoi? C'est pas un gros bateau? Cargo, c'est... Un moyen bateau, genre. Ah, on sait. Comment s'appelle un Titanic? Le Titanic, c'était quoi comme bateau? Un paquebot. Ah ouais. C'est quoi le plus gros entre... Un paquebot, c'est plus petit qu'un cargo. Hein. Arrête de me faire la batelière, s'il te plaît. La quoi? La batelière. La batelière. C'est quoi ça? Ben, la batelière. Non, les pose pas par terre, par favor. Non, pose pas par terre, por favor, hein. Ok. Non. Tu comptes en cul, Santi, ou quoi? Tu comptes en cul? Oh, parle mieux à mon collègue. Hey, là, t'es dans mon entreprise. Comme ta gueule. Tu fais comme je veux. On fait des emplettes dans des magasins de luxe. Tu sais que je peux d'aide pour ma monnaie, mon gang. Et dans le ghetto, faudra beaucoup de courage. Beaucoup de munitions, des armes de poing pour gagner les matchs. Pour s'amuser, on fait des emplettes dans des magasins. Tu sais que j'ai découvert il y a pas longtemps, ça voulait dire quoi emplette, Aylan? Ok, il est plein, je vais ça veut dire quoi? Tu sais pas moi. Ça veut dire du shopping. T'as vu, t'es refait quand t'apprends des mots comme ça. C'est qui m'a appris? C'est qui? Je devine. Une Asiate. Josie. Ouais.
Ouais, mais. Oh, tu sens le tigre, tu veux pas le changer, le pulpa mangel? Depuis que je suis parti, tu l'as encore, qu'est-ce que t'as? Ben, je sais pas, c'est une tenue, genre. Ouais, c'est stylé, mais tu sens la mouette, ça y est, faut le changer à un moment. Voilà, mais je t'habille comme ça depuis 3 jours là. On dirait t'as fait un TikTok, t'as fait. Comment j'ai fait, comment? Comme ça. Avec la claquement des doigts. De toute façon, on fait deux camions, on fait des allers-retours, non? On est d'accord? S'il faut en faire 10, on en fait 10. Trois camions? On fait trois camions. Ok. Vas-y, senti, c'est toi le chef. Alors moi, après, on revient avec deux camions. Y'a une assurance, il a mangé braqué, Mylène? Bah non, puisque t'as pas voulu prendre de le vrai livreur. Ah. Bah alors là, celui moi, je suis un vrai livreur. Celui qui est braqué. Oui, mais on a pas la livraison sécurisée, donc. Ah, si, on va faire un tour à la maison. Je vais prendre le Benson. Je pense que deux Spounder et un Benson, c'est suffisant. Non, mais je lui ai donné les clés de Spounder là. Ah, ok. Bon, après, on revient qu'avec deux camions. Tu l'as chargé? Non, non, je l'ai pas chargé. Tiens, ramène-le vers là. Vas-y, je le ramène. Je vais pousser sous là. On y va là, ça y est? Tu conduis des camions toi maintenant? Bien sûr, je conduis des camions. J'arrive à te conduire à toi. Tu crois que je peux conduire un camion? Tu veux dire que j'ai grossi? Non, je veux dire que t'es un poids lourd. Un petit peu quand même. Oh, je suis un poids lourd. Oh. T'es un poids lourd, un poids lourd dans mon cœur. Ok. Tu peux mettre les clés dans la boîte à gants? Sinon, on peut rester là et aller dans la cabine. Mais bon, au bout d'un moment, tiens, c'est nickel. C'est bon, vous êtes prêtes? Il est pas rempli le mien. En plus, on est juste à côté. Comme ça, on pourra faire plein d'allers-retours tous les jours. Sinon, tu sais bien voler, toi? Voler? Je suis sûr que oui. Voler genre avec des ailes ou voler Oui, oui, voler. Non? Non? Non. Pourtant, j'aurais cru. Pourquoi t'aurais cru? Qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Un avion de chasse, non? Oh! Oh! Et toi, tu sais exploser des trucs? Non. Non, tu sais pas exploser en des tout trucs cas, si, je sais exploser des têtes avec le calibre 50, mais c'est tout. D'accord, mais non, tu sais exploser des trucs avec des gros missiles? Non. Parce que t'es un tank. Si. Non, ouais, je veux. Il y en a un, il a cru que j'allais dire arabe. Je vais devenir fou. Bordel. Eh bien oui, avant d'entendre cette blague, je croyais qu'il y avait que les crêpes qui étaient waouh, mais là... Oh! Et moi je croyais qu'il y avait que les dragons qui crachaient du feu. Je sais pas. Oh Dios mio. Tu es pas très doué pour ça en tout cas. Hein. Mais, j'apprends. Et tu apprends bien en tout cas. Ah mais c'est parce que tu pues de la gueule, Maïdine. Ah c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, oh! Quoi? C'est pas vrai. C'est parce que j'ai l'impression que toi et moi on est. T'as vu l'âne et le dragon dans Shrek? Si. Bah genre c'est toi et moi un peu. Ok, toi un âne et moi je suis un dragon. Sauf que moi j'ai pas la voix de Eddie Murphy. T'avais remarqué d'ailleurs que c'était la voix de Eddie Murphy? Si. Évidemment t'avais remarqué. Bien sûr. Je l'ai beaucoup regardé hein, quand même ce film. Bah c'est je pense mon Disney préféré. C'est pas un Disney, je crois. Non, après Mulan, mais si, non, c'est DreamWorks. Oui, c'est DreamWorks. Ah ouais, c'est bon, on est prêt? Allez, suivez-moi, c'est pas loin. Eh ben, c'est. Y'a qui d'autre chez DreamWorks? Ouais. Bon, bah, on a plus de Fenwick. Parce que moi, mon Disney préféré, c'est Mulan, ça c'est info sûre. Mm-hmm. Ok. T'aimes bien Mulan? Oui, j'aime bien Mulan. Vas-y, chante la musique comme un homme. Ah non. Ok, donc. Je peux pas chanter comme un homme, j'ai une voix de femme. Oui mais ok donc tu mens quoi. Si non j'aime pas chanter, je chante très mal. D'accord, donc tu mens, donc tu connais pas du tout Mulan, tu fais ça pour me draguer. Si c'est comme un homme. Sois plus ardent que le feu des... Des torrents. Des volcans, mais des volcans. Le feu des volcans bordel mais... Oui je me suis trompée. Por favor.
soit plus puissant que les... Ouragan. Ouais, attention monsieur. Oh Dios mio, le pauvre. Faut se garer là, faut se garer là. On est arrivé ? Ouais. Devant moi, vas-y, vas-y, je te fais la place. Oh, ça rentre pile ? Ça... Non, il va me manquer un peu, putain. T'as vu là ? Là, Kenan, là, juste à mettre une première. Et tu as vu tes dorsaux, comment je les explose ? Eh ouais. Tu poses ça où, Kenan ? Bien. Là, tu vas là, comptoir. Hop, je t'ouvre. Et tu descends tout en bas. Oulala. Tu m'entends ? Si, 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 si. Ok, attends. J'ai un truc bizarre. Ok, là, et là, il y a un coffre, là. Senti ? C'est bon, je me rends pas. Et vous êtes allé où là dedans ? Dedans, tu vas au comptoir, il y a une porte. Senti ? C'est moi, j'ai pris, c'est bon ? Ouais. Tu crois que j'ai pas de la force ? Ça rentre 10, non ? Il est aussi costaud que moi, on dirait. Ah ouais, je crois, là... Et ouais. Tu vois pas tout à l'heure, devant toi, je faisais des pompes, je te rappelle pas ? Ah, si, j'ai vu pendant que je faisais la facture. Tu vas pas venir travailler avec moi, toutes les livraisons ? Là, il est fermé, là, il reste plus rien là-dedans ? En un camion, on a fini. Ça sent le cul, ça sent. Ouais, ça sent la doha. Il y a un camion au milieu, là, il est vide ? C'est celui de ton frère. Malgré quand c'est élevé. Oh là, j'ai un coffre qui est plein. Ah, vas-y. Oh, j'ai un les coffres ils sont pleins. T'inquiète pas, je passe à 3000 comme ça. Et frérot, les coffres ils sont pleins. C'est bon, tout est vide. Oui, c'est vide. Ok, faites l'aller-retour. Moi je vais ranger les coffres parce qu'il y a plus de place dans les coffres là. Ok. Heureusement que je t'ai demandé s'il y avait assez de place. Hein. Ben, il y a une tonne, mais il faut que. Passe les clés du camion si tu veux qu'on y retourne. Oui, tout ce que tu veux. Tu veux quoi d'autre ? Gracias. La clé de ton cœur, je l'ai déjà. Et c'est tout. Un bisou. C'est quand que tu prends la clé de mon slip ? Quand tu auras demandé ma main déjà. Mais je l'ai déjà. Quoi ? T'es sérieuse ou quoi, toi ? T'es sérieuse ? Hein ? Quoi ? Attends, mais toi, tu peux pas augmenter la taille d'un coffre ? Non, toi tu sais pas faire ça, toi aussi. C'est un petit peu compliqué, mais c'est. Ok, bah sinon, c'est bon, sinon il y a Zero qui vient, qui va le faire là. Ok. Quoi ? Il s'appelle comme ça, il s'appelle comme ça le mec qui range, quoi ? Ah, si. Non, moi je m'en fous. Donne-moi. Attends, t'as des trucs sur toi ? Ouais, c'est bon, je prends. Ah non, ça rentre pas. Il y a rien, il y a pas de place en bas. Il y a peu de place, hein. Ah ouais. Tu peux pas te faire putain, casse les couilles, sérieux. En fait, je sais pas dans combien de temps il arrive là pour ranger un peu là. Déjà, venez. Ah ouais, mais putain, il y a des keufs qui passent là. Bah quoi, on fait la livraison d'une. Oui, mais c'est très bien, après ils vont voir ça et ils vont venir que patrouiller ici là. Non, c'est un restaurant, on peut livrer. Tu crois que la farine. Mais je t'ai déjà demandé ta main. T'as accepté ? On doit demander à mi padre, hein, pas à moi. Mais si, même après, tu m'as dit. Ok. Maïlin Salazar, Santa Cruz. Les genoux par terre, quand même. Les genoux par terre. Ah bah. Oui, ici, comme ça, ok. Maïlin Salazar, Santa Cruz. Femme de ma vie, femme de mes rêves, de mes sommeils et de mon éveil. Excusez-moi, monsieur, vous gênez un poquito là, hein. Voilà, gracias. Ça, c'est ma sœur. La droite de Dieu. Ici. Souhaitez-vous prendre monsieur Kenan Seguin, en l'occurrence moi, pour époux ? Si. Je vais peut-être réfléchir un peu, non ? T'es pas sérieuse, toi ? Si, bien sûr que oui. Ouais ! Allez, les bisous. Ouais, les bisous. Ah ouais, le bisou là, comme ça, devant toi, là ? Oui,
oui. Bah sans gêne, t'es un fou quoi. Vas-y, vas-y, je la gâche. Regarde Aline, Aline, apprends comment je veux la gâche. Attends, regarde. T'as vu? Non, tu vas mettre. Oh non, j'ai du maquillage, pas. T'as vu? Et en plus, t'as du rouge à lèvres sur la bouche, espèce de cochon. Ah ouais? Merde. Oh, tu en as beaucoup même. Ça t'apprendra. Mylène, pourquoi tu pointes? De quoi? Hein? Pourquoi tu regardes les bzs de ma femme, toi? Mais sûr que oui, elle est chargée. Et Aylan, regarde du coup. En fait, je voulais faire l'emote in game, donc du coup, je l'ai fait IRL. Là, regarde, là, on va faire des munitions. Là, on va faire des armes et tout. Là. Oh. Ah, t'avais pas compris. Je joue RP en fait. Ah, t'as vu? Ah, fils de pute. Et ouais. Et Zirok, je finis de ranger un petit peu tout là et je suis à vous. Hein. Si, si, mi guapa, Kenan, mi guapa. Mi guapa tout, Almano. Mi guapa. Oh, tu fais trop bien. Si. Vas-y, refais. Oh là, attends, refais. Je t'ai senti le cou, tu sens monter. Toi, tu le fais avec le fond de ta gorge. Moi je fais. Moi je fais. On dirait mon chat quand je le caresse, il fait pareil, il fait le même bruit. Attends, mais on dirait vraiment un ronronnement de chat. Ouais, comment tu fais la baie ou quoi, tranquille. Bah avec ma gorge, visiblement. La gorge, j'ai le gosier sec, j'arrive même pas. Vas-y, on dirait je démarrais un dirt. Si on dirait que tu démarres une de chevaux, hein, là c'est. Non mais c'est pas. T'as vu, c'est ça en fait, je sais pas comment elle fait. Arrive pas à gratter la gorge. Et ça. T'as les craft du bloc déjà. Ouais, je sais pas. Et en vrai, oulala, attends, mais c'est compliqué. Oulala, ah oui, mais c'est compliqué en fait. Du coup, c'est moi qui peux arriver derrière toi. Ok, j'ai besoin. J'ai une nouvelle commande, Mighty. Désolé de t'avoir cassé dans ton délire. Oh là, j'ai oh là, besoin. Ouais, vite la caisse. Attends, j'ai besoin le plus possible. Oh là, hermano. Oh attends. Non, je voulais planter le gosse. Attends, ça va, Mylène? Oh, Dios mio. Attendez, mais s'il vous plaît, Mylène. Ça va aller. T'as rien eu, c'est rien. Non, j'ai rien eu, je suis jusqu'à haut, bien sûr. C'est rien, c'était un couteau. Attends, mais c'est compliqué de fabriquer des armes, hein. Si, je vais aller chercher mon Galibre 50 en plastique aussi. C'est plus dur. Ah, bah c'est pas moi, tu t'as racheté. Arrête, t'as acheté une réplique open shop, c'est ça, Mylène? Ressort. Tu vas mettre pression à qui? Ok, bon, Mylène, tu notes s'il te plaît? C'est trop. Mylène, tu m'entends? Si, je t'entends. J'ai besoin d'acier. Le plus possible. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup besoin. Mais tu peux même me faire deux, ça m'arrange. Ah, aussi, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec les docks. Hein. Ok, ben je vais te prendre une tonne par jour, tous les jours. D'acier, ok? Juste de l'acier oui, normal. L'espoir fait vivre, hein. Si, ouais. Non, mais vraiment, je suis un client, tu vas me vendre ce que je veux que tu me vendes. Ensuite, j'ai besoin d'acier compacté. Ça, genre. 200-300, je pense, ça suffit. Oui, ça suffit. Non, même moins assez compacté, genre une centaine. Même après, tu vas me faire une commande, tu vas me l'écrire et me l'envoyer parce que là. Ben regarde, pour l'instant, regarde. Note une tonne d'acier normal. Il m'en faudrait même deux tonnes en vrai, mais bon, vas-y. Une tonne, il me faudrait genre 100 acier compacté et une tonne de bois. On est amis, c'est bien comme ça. Oui, mais si vous sortiez ensemble, ça sera encore mieux. C'est bien comme ça. Oui, ce serait un beau étrange. Qui? Toi et Cinta. Santi. Oh, mais tu. Attention! Aaa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 a
Si ah, mais c'est les Yardies! C'est pas les Yardies. Ah non, je croyais que c'était le fils de pute qui m'avait tiré dessus. Putain, vous m'avez niqué la bagnole! Vous m'avez niqué la bagnole, bordel! J'en peux plus de vous, sérieux! Putain. Ah ouais, Mylin, comment je vais faire? Hein? Comment je vais faire? Non, non, le sais. Comment je vais faire pour la bagnole, Mylin? Il va falloir aller au garage, je suppose. Ah ouais. Ouais. C'est combien pour la réunion pour une réparation? Allez, je monte devant cette fois. Je sais pas, c'est combien la réparation, Kenan? J'en sais rien, moi je suis pas garagiste, moi. 300 dollars, chef. J'ai pas 300. Attends, tiens. On te remet un clip. Oh, il m'a donné à moi, merci. Ah! Bon, mais tiens, voilà. Seigneur, fais attention. Allez, merci, frérot. Merci, allez, ciao. Benache. Allez, force, big up. Pourquoi Benache? Ah, Magnus, là, bouge ta voiture, bordel. Ah, je me suis trompé, je crois que je suis fou. Ouais, les gars, dis-moi, Seaboy, tu voulais dire? Ouais, Seaboy, je suis un fou. Oh mon dieu, mais putain. Excuse-moi, je suis fatigué. Pourquoi il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit Benache. Excuse-moi, pardon. Quoi ça, Benache? Benache, c'est un mec du 9 de I, un rappeur. Et sauf qu'il voulait dire Seaboy, parce que Seaboy, c'est un mec cagoulé. Voilà, excuse-moi. C'est bon, t'excuses pas mille fois, Cinta. Pourquoi tu l'appelles Cinta? Je sais pas, frère. Pas dire mon nom. C'est senti. Ça sonne mieux, Cinta, je trouve. C'est le petit Louis. Attends, petit Louis, pas petit Louis. Attends, aïe, aïe, aïe. Faut déjà me descendre. Aïlin, voiture. Quoi? Non, tu vas aller au garage cette fois. Non, 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 voiture. Non, voiture, s'il te plaît. Tu peux remettre la portière si tu veux. Mylin, voiture, s'il te plaît. Fais un tour. Je vais chercher la portière d'abord. Vas-y, Mylin. C'est lequel? C'est lui là, c'est lui. Quoi, encore? Lui là? Quoi? Ouais, c'est lui, c'est lui. Ok, quoi? Toi. Mais il a pété un. Mais t'es sérieux, Louis, ou quoi? Ouais, je suis sérieux. Quoi? C'est vrai. T'as coupé les cheveux de notre sœur. Qui, votre sœur? C'est Nara. Ma grande sœur, c'est Nara. Qui ça, Nara? C'est qui, Nara? Une grosse pute, Nara. Elle nous a dit que c'était toi qui lui a coupé les cheveux. C'est qui, Nara? Ça, c'est lui. C'est toi? C'est pas moi, Herman. C'est une grosse pute, Nara. Tu veux que je t'allume? C'est qui, Nara? C'est qui? Attends. Eh, hey, Louis, c'est Louis. Ma sœur, Nara. C'est qui, Nara? C'est qui? Ah, elle là-bas là. Mais t'es sérieux? C'est ma pote de fou, Nara. Pourquoi je vous aurais fait ça? T'as pas on traînait ensemble et tout? Moi je vais te dire la vérité sur ta grande sœur, mon petit, je vais t'ouvrir les yeux sur ce monde de vicieux. Pardon. Ok, dis-moi. Viens Louis, viens avec moi. À un moment il y avait Neto, il était au pouvoir. Neto, je m'en bats les couilles. Eh ben, tu t'en bats les couilles, ben tu vas voir Neto. Il a ramené ta sœur au triangle. Course-le, Louis. Non. Pardon Louis. Pardon. Tu veux que je lui mette un coup de marteau? Non, tranquille. Putain, mais j'ai de l'homme dans la main, pourquoi je tape avec mon pied, bordel, je suis trop con. Mais Louis, là, si tu tires sur mon frère, tu me tires dessus à moi, tu le sais, ça. Et je vais faire un aller-retour et je vais aller chercher quelque chose qui va te faire du mal, Louis. Tu vas faire un aller-retour avec une balle dans le cul, je te fais... J'aime trop de balles, mon enculé. C'est vrai, excuse-moi, Louis, t'es un champion. Tu marques un point. Et si tu restes encore debout après, bah, je te vide le reste des balles dans le chibre. Mais moi, je te pose la comme question. Comme ça, quand de... il ira pisser, le jet, il partira dans toutes les directions. Moi, je pensais à vous, son pistolet, de toute façon, Ryan. Ah ouais, attends. C'est vrai que vu comme il tient avec ses doigts, je suis sûr il touche même pas la gâchette. Moi je pense que c'est un faux. Voilà le petit 635. Je pense que je devrais l'enculer un peu. Ah ouais, c'est enfin, un faux, mais je peux te crever un œil. Avec quoi? Bah parce qu'il y a des billes dedans. Ah, c'est un pistolet à billes. Ouais, bah je peux te crever un œil quand même. Frappe, j'ai attaque. Mettre, j'ai envie de te mettre. Attaque, Aylan. Attaque. Tu avais le coup de cric de CRS? J'espère que c'est vraiment un faux. Il est parti où? Il s'est faufilé. Il est derrière toi. Il est derrière toi. Bah viens. Là, c'est pas un faux. Aïe. Ah, et voilà. Et voilà. Louis, no mas. Je vais te piquer ta mère. Je vais chercher le camion fixé sur l'autre. Non. Non, arrête. Regarde, heureusement que tu l'as pas fait, y'a les keufs. Regarde, y'a les keufs. Alors comme ça, toi tu kidnappes ma sœur, toi? Hein? Mais c'est pas lui qui a kidnappé ta sœur, putain. C'est qui, alors? C'est Idan, c'est mon frère. Je t'en remets une, du coup. Hein. Quoi? Je t'en remets une, encore? Ah, vas-y, remets-moi une. Vas-y, bah, arrête de vouloir esquiver. C'est quoi, c'est bon, je t'en remets pas une, parce que le pardon est la plus grande des vertus. Par contre, mon frère, il te pardonne pas. Aïe!
Aïe. C'est normal, il n'y a plus d'escalier chez nous. Il n'y a plus d'escalier. Kenan. Ouais. Ça fait mal le petit. T'as de l'huile pour ta coach, hein? Bien sûr que j'ai de l'huile, j'ai de l'huile. Pour moi, s'il te plaît, Herman. Voilà, réparer. Putain. Ça vous va bien de réparer la voiture? Mais ouais, c'est... Vous êtes des beaux, sérieux. Vous voulez nous aider, hein? Vas-y, je vous soutiens mentalement. J'aime bien que tu soutiennes la portière, surtout le temps que je la ressoude. Non, j'aime bien quand tu le fais toute seule. Non, j'ai besoin de ton aide là, sinon je peux pas la ressouder. Ah, il a aide là. Aide là, tu tires la portière. Voyons voir, bam, l'injecteur. Juste. Hop. Change le gicleur d'injecteur. Ok. Hop, attends, là, normalement, je mets un coup de cric. Voilà. Là, après, là. Je veux bien que tu m'aides à maintenir la portière, pour favor. Attends, je vais la mettre. Vas-y, je la tire. Ok, gracias. Ouais, c'est vrai que je la maintiens bien. On fait quoi? On le tue ou pas? C'est lui là. Oh, salut, ouais, allô? Voilà. T'en es pris à ma sœur, je m'en suis pris à ton frère. Tu l'as fait quoi? Premier dernier avertissement. Ah putain, il... Non. Ah ouais. Toujours dans le jugement, toujours à juger. Comment ça, mon frère, c'est une mauvaise personne, les gars? Ouais. Ça, mon beau-frère, c'est une mauvaise personne. Tu veux que je te les coupe, à toi aussi, les cheveux? Et Nara, non. Tu veux qu'on en parle de ce que faisait Nara? Elle faisait la folle au triangle? Quoi? On vous a jamais rien dit? Comment ça, Nara? Non. Attends, mais c'est qui, Nara? Tu voulais dire Vincent Lagaffe? Grande sœur, c'est notre grande sœur. Ah, la chauve, là? Bah ouais, du coup, non. Quand Neto, il a envoyé travailler au triangle, vous disiez rien. Tu te poses, quand t'as faisé la chienne là-bas. Qu'elle a broyé comme une chienne. Nous, pourtant, on juge pas, on a pas dit que c'était une grosse chienne. Grosse te pu. Redis-le. Attends, regarde, je te montre. Une grosse te pu. Ouais, une grosse chienne. Ouais, c'est peut-être une grosse chienne. Ouais, y'a pas de galère. Et s'il y en a pas assez un avec un, et ben on vous en montre deux. C'est une grosse chienne. Ouais, c'est une chienne. Fais voir comment elle aboie votre soeur. Et ouais, elle aboie mieux que ça. Ouais, c'est vrai qu'elle a un peu plus de conviction. Quand ça fait. Ouais. Et quand vraiment elle est énervée, elle aboie comment? Elle a des petits. Voilà. C'est bon, rangé. C'est bien. Impec. La calme était nomas, par favor. Non, elle fait. Quand elle est énervée ou quand elle est contente? Ouais. Montre-nous quand elle est énervée. Quand elle est contente. Moi je le fais bien quand elle est contente. Ma soeur, c'est une chienne! Aïe! Aïe! Ah! Tout va bien? Ah! Non! Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Attends. Ah, j'ai tellement mal! M'a frappé aux adducteurs! Un coup de marteau. Non, les adducteurs, c'est pas au niveau du crâne. Ah, il m'a frappé à la cuisse! Aïe! Ok, fais voir. Ah! Oui, tu vas avoir un sacré bleu, je crois. On fait voir, regarde. Si j'appuie là, ça fait mal? Regarde ma cuisse! Aïe! T'as vu? Dieu mio, non. Aïe! Et j'ai mal! Regarde. Ouais, il revient, faites gaffe, wesh. C'est bon. Tu veux tout mon pansement? Ah, ça va, t'inquiète. Mia mort, t'inquiète, on est solide. Non. Je le crame encore? Non, par favor. T'es sûr? Tu veux pas je le crame encore? Calme-toi, tout le monde, bonne personne. Non, fais attention, petit Louis. Hey, ta soeur, je la baise, c'est bon? Ok. Non. Tu baises qui? Toi. Hein? Toi. Tu vas faire attention à ce que tu dis. Oui, pardon, Red. Depuis petit, on fascine. Faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent. Juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs. Ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.